Please be seated. The court is now in session. This afternoon, the chamber will hear the testimony of a witness through TCW 847. And Ms. Si-Huang, could you report the attendance of the parties and individuals to today's proceedings? Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. As for Aung San Suu Kyi, the counsel for Kyi Sompon is absent due to her personal matter, and Mr. Moon Jae is present in the holding cell downstairs as he requests to waive his right to be present in the courtroom. His waiver has been delivered to the graffiti. The witness who is to testify today, that is through TCW 847, confirms that to his best knowledge, he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, Moon Jae or Kyi Sompon, nor to any of the civil parties admitted in this case. The witness also took an oath before the ironclad statute this morning, and he has a duty of counsel, and both of them are ready to be called by the chamber. Thank you. President, thank you, Mrs. Si-Huang. And before we advise the witness to be in the courtroom, the chamber will decide on the request by Moon Jae. The chamber has received a waiver from Moon Jae, dated 3rd March 2015. He confirms that due to his health, that is headache, back pain, and that he cannot sit for long, and in order to effectively participate in the future hearings, he requests to waive his rights to participate in and be present at the 3rd March 2015 hearing. He has been informed by his counsel about the consequence of this waiver, that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented or admitted to this court at any time during this trial. Having seen the medical report by the duty doctor for the accused Moon Jae at the ECCC, dated 3rd March 2015, who notes that the health condition of Moon Jae, it is that he has severe back pain and dizziness, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Moon Jae's request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via an audiovisual means for today's proceedings, as he waives his direct presence in the courtroom. The AV unit is instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Moon Jae can participate in and follow today's proceedings remotely. Court officer, could you usher the witness into the courtroom?
Veuillez faire entrer le témoin. Also invite his duty counsel in. Thank you. Inviter son avocat à rentrer dans le prétoire. President, good afternoon, Mr. Witness. What is your name? Bonjour, quel est votre nom? Witness, my name is Wan Soon. Je me nomme Wan Soon. President, is your name Wan Soon? Vous nommez-vous bien Wan Soon? What about Soan? Are you also known by Soan? Êtes-vous également connu sous le nom de Soan? Witness, Soan is also my name. Soan est également mon nom. President, what is your official name? Quel est votre nom officiel? Witness, I am known officially as Wan Soon. Je suis Wan Soon. President, officiellement. So, your Soan is your alias. Soan is that correct? Est votre alias, n'est-ce pas? Witness, yes. C'est exact. President, Mr. Soon, Mr. Wan Soon, what is your date of birth? Quelle est votre date de naissance? Witness, I was born in 1959. Question. Where were you born? Où êtes-vous né? Answer, I was born in Chray, Lipo, je suis né dans le village Tramco, de Chray, commune Takao de Lipo, province. District de Tramka, question, de Takao. What is your current question, address? Quelle est votre adresse actuelle? Answer, réponse, I live in the same location at Chray, Lipo, Tramco, Takao province. Commune de Lipo, district question, de Tramka, what is your current occupation? Question. Quelle est votre profession à l'heure actuelle? Answer, I am a rice farmer. Je cultive du riz. Question. What is your father's name? And also your mother's name? Quel est le nom de votre mère? Answer, my father is Mao Sem and my mother is Nam Pat. Question, what is your wife's name and how many children do you have together? Quel est le nom de votre femme et combien d'enfants avez-vous avec elle? My wife is Mom Yi. We have 8 children together. Et nous avons 8 enfants. President, thank you, Mr. Wan Soon. As already reported by the greffier, to your best knowledge, vous affirmez n'avoir à votre connaissance you do not have any relative or any of your in-laws admitted as a civil party in this case. Is that correct? Qui ont été admis en tant que partie civile dans le cadre de ce procès. Est-ce exact? Witness, yes. Le témoin, c'est exact. Questioned. Question. And the greffier also reported that you already threw an oath. Is that correct? Est-ce exact? Answer, yes. Réponse, c'est exact. President,
Le président. Mr. Wan Soon, the chamber would Monsieur like Wan to inform Soon, you now of your rights and obligations as a witness. Vous énoncez vos droits et obligations as a witness in the proceedings before the vous chamber, you may refuse to témoin. Respond to any vous question or to make any comment which may incriminate you. That is your incriminer. Right against self-incrimination. This means that you may refuse to provide your response or make any comments that could lead you to being prosecuted. And now on your obligations as a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your right as a witness. You must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or otherwise or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that a bench or parties pose to you. And Mr. Wan Soon, have you been interviewed Monsieur by Wan the Soon, investigators of the Office of the Co-Investigating Judges par les du in the last few years? De if so, années. How many times have you been interviewed and where have you been interviewed? Witness, I have been interviewed twice. J'ai été entendu à deux one reprises. Was at une my home and moi, the second time was at this court premise. Dans l'enceinte des CETC. President, thank you. Le and before you appear before the chamber, have you avant seen or reviewed your previous statements that you made with the OCIJ investigators in order to refresh your memory? Suite à votre déposition Witness. Au juge d'instruction. The first statement was made in 2007, and I forget some parts of the statements that I made at the time. President, have you reviewed them? Mais avez-vous pris connaissance de ce document, de ces documents? Answer, yes, I have. Réponse, oui. Question. Question. To your best knowledge and recollection, can à you tell the chamber whether the written record of your statements that you si reviewed to refresh your memory are consistent with your souvenirs. Statements that you provided to the investigators at the time souvenir of your interviews? Que vous aviez dit à l'époque aux juges d'instruction aux enquêteurs. Answer, yes. Réponse. Oui, cela correspond. President. Le président. And Mr. Wan Soon, you have requested a duty counsel for the period of your testimony, and the chamber has assigned a duty counsel to you, and you also have been informed of your rights and obligations as a witness, in particular on the point of your rights against self-incrimination. And Mr. Witness, have you made any discussion with your duty counsel? Monsieur le témoin, vous êtes-vous entretenu avec votre avocat? Witness, yes. Réponse, oui. President, thank you. And duty counsel, can you inform the chamber of your name, Maître, your ID, and your current de votre office, nom, de votre numéro d'identité et du lieu où se trouve votre étude? Duty counsel. L'avocat. Good afternoon, Mr. President, Your Monsieur Honors. Le président. Mesdames et messieurs les juges, bonjour. My name is Mom Rathir. Je me nomme Mom Rathir. My ID is 619 and our office mon is at 150A Street 150. Et notre étude se trouve à la rue Bangkwalet Quarter, numéro 118, Phnom Penh. Bangkwalet à Phnom Penh. President, thank you. Le président, je vous remercie.
And pursuant to Rule 91 bis of the ECCC internal rules, the chamber will hand the floor to the co-prosecutors first to put questions to this witness. And the chamber would like to remind the co-prosecutors and the lead co-lawyers for civil parties that the combined time for you is one full day plus one session. D'interrogatoire et d'une séance. And you may have the floor now. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Thank you, et bon après-midi good afternoon à vous, Madame et Messieurs les juges. To your honors, bon après-midi aux parties. To the parties. Monsieur le témoin, mon nom est Witness, Vincent Deville my name is Vincent, et je vais Vincent vous interroger Deville, au nom du bureau des co-procureurs cet après-midi on behalf et of the OCP this afternoon as well as tomorrow morning. Je voudrais vous demander si vous ne comprenez like pas une question that, de me le dire et je la répéterai. To tell me if you don't understand the question and si then I will repeat vous it. Ne connaissez pas une réponse, if you're unable n'inventez to answer, pas de réponse. Do not invent et dites an answer. Simplement, simply je ne sais say pas. I do not know. Je vais commencer avec quelques questions concernant votre passé et ce que vous avez fait avant le 17 avril 1975. Entre 1970 et 1974, vous aviez 11 et 15 ans. Qu'est-ce que vous avez fait à cette période, 1970 et 1974, et à quel endroit? Answer. From 1970 to 1974, I lived with my parents. J'habitais avec mes parents. From late 1974 through 1975, dès fin 1974 I was conscripted à 1975, into Litbo Commune Militia in Takai Province. Later on, I was sent to Tramcock District Ensuite, to be part of its force. Pour faire partie d'une autre force. Merci. Thank you. Vous avez anticipé légèrement ce que you j'allais vous demander. Kind of, ensuite, je vais vous demander de répondre juste aux questions que je pose. With relation to what I was going to ask you, I'm just asking l'époque, you now to answer the questions I'm going to put to you. So between 1970 and 1975, in which district and in which region was Labo commune? Labo commune was located in Tramcock district in Takao province. Est-ce que le district de Tramcock portait-il un numéro? Was et est-ce que la région ou le secteur numbered portait également un numéro as et well lequel? As the region and if so is the case which number? Tramcock district le district de Tramcock was also known as District 105 in Sector 13. Le district 105 dans le secteur 13. Merci. Vous avez dit avoir été enrôlé par l'armée à la fin de 1974. Est-ce que vous avez été enrôlé volontairement ou bien Were you conscripted by force or did you volunteer? Initially, I was requested to carry the wounded, and after that, they arrested me to join the force. I then escaped, and later on, I was rearrested and brought back into the force. Vous avez déclaré devant les enquêteurs des juges d'instruction, c'est le document E319.1.33, à la réponse 4, at answer 4,
Je cite, on m'a forcé à intégrer l'armée Khmer Rouge. I was forced to join the Khmer Rouge army. Je devais évacuer des blessés de la guerre contre le Nol. Mais plus tard, j'ai dû intégrer la milice communale de Lebo. Then I was enrolled in the to the Lebo communal militia. Et la réponse 5, je devais travailler dans une armée de district. I had to work in a district army. I was in the Tramkark district army. End of quote. Est-ce que vous pourriez clarifier si vous avez d'abord intégré la milice communale de Lebo et ensuite l'armée Lebo du district, communal militia, ou bien en fait c'était la même chose army, mais vous étiez affecté thing, but then you were detached to Lebo. Initially, they recruited me as a militiaman in Lebo commune, and later on they elevated me to the district level. Promu au niveau du district. Si je comprends bien, vous n'avez jamais fait partie d'une division. You never belonged to a division. Is that correct? Bah. Yes. C'est exact. J'en viens à la période comprise entre Now le 17 avril 1975 et l'entrée affectation à Kreng Tachang. Je vais vous lire un autre extrait de votre dernière déclaration et peut-être que ce serait pratique que je puisse, Monsieur le Président, communiquer aux témoins les deux déclarations qu'il a faites devant les juges d'instruction pour qu'il puisse suivre plus facilement le déroulement de mes questions avec votre permission. President, yes, you may do so. Allez-y. Donc, dans cette deuxième déclaration, so in the second statement, devant les enquêteurs, before the investigators, that's E319.1.33, je vais lire la question et la réponse 8. Question 8. Question 8. Mais qu'est-ce que vous deviez faire d'autre en 1975? Réponse 8. Answer 8. En 1975, je devais me positionner au chef-lieu provincial de Takeo. Ensuite, réponse 9. Je devais être soldat. À l'époque, la guerre faisait rage. During a time when fighting was very intense, but the Khmer Rouge had not yet captured Phnom Penh. Toujours est-il que je ne devais plus évacuer de blessés. I was no longer assigned to carry the wounded. Au début de 1975, et quand les Khmer Rouges ont pris after the Khmer Rouge came to power, je devais me positionner dans le district de Tramkak en tant que soldat. Fin de citation. End of quote. Pourriez-vous nous dire où était le chef-lieu provincial de Takeo the provincial seat was et of qui étaient Takeo les dirigeants de la province au début de l'année 1975 the, avant la prise de Phnom Penh? In 1975, before the capture of Phnom Penh. I did not know who was in charge at that time. Je ne sais pas qui était responsable à l'époque. Or who was the chief of the sector. Je ne sais pas qui était responsable de la province. Et où était situé le bureau de ce chef-lieu provincial where was, de Takeo? The office of the provincial avant seat que Takeo of Takeo located prise. Before Takeo was captured. Takeo province sound town was located in Trang. Le chef-lieu était à Trang. Which is now known as Don Kaeo. Qui s'appelle aujourd'hui Don Kaeo. Est-ce que ce chef-lieu était éloigné du was district this provincial de Tramkak? Seat far from Tramkak district? Prom Patol Tol Nang Nai Phlau Rot Phleung. The border demarcation is along the rail line or the railway line. La ligne de démarcation se trouve le long de la voie de chemin de fer à Chambok. Toujours sur le même document, à la réponse 10. At answer 10 in the same document, you said the following. La question était la suivante. The question was que deviez-vous faire quand vous étiez en poste dans le district de Tramkak? What did you have to do when you were posted to Tramkak district? Je devais porter des lettres. They had me carry letters. Fin de citation. End of quote.
Pour moi, ça n'a pas été très clair de comprendre si for me, it wasn't quite clear. Vous jouiez déjà I didn't understand le rôle de messager au niveau working as a messenger du chef-lieu provincial at de the Takeo, provincial seat of Takeo province, ou du district de Tramkak, or at Tramkak district, ou bien vous n'avez joué ce rôle de messager qu'une fois que vous êtes arrivé à Krangtachan. Once you arrived in Krangtachan, so can you kind of clarify this a little bit? Previously, I was a messenger for the district. Pour le district. And later on, when ensuite, I was sent to Krangtachan office, I was also assigned the role of a messenger. Également désigné messager. Lorsque vous étiez messager du district. When you are a district messenger. De qui portiez-vous les messages et à quelles personnes et à whose quels endroits? Messages did you deliver to whom and at what locations? I received messages from the Krangtachan office chief through the messenger at the Tramkok district office. Envoyé au messager du district de Tramkok. Oui, là, je crois que vous parlez de la période où vous êtes à Krangtachan, si je comprends bien. Vous recevez des messages et vous les transmettez au district. Mais là, je parle de la période avant que vous n'alliez à Krangtachan. Vous avez dit que vous étiez messager du district. À ce moment-là, quand vous étiez au chef-lieu provincial de Takeo et ensuite peut-être au district de Tramkak, à qui apportiez-vous des messages? Tramkak district. To whom did you deliver those messages? Let me go back a little bit. Permettez que je revienne un peu en arrière. Au début, at the district unit, j'étais à l'unité du district. I was subsequently sent to Krangtachan office. J'ai été envoyé and au I was still a district office messenger. J'étais toujours messager. And also when du I stationed at the Krangtachan office, I was also a messenger for that office. J'étais aussi messager pour ce bureau. OK. Qui Very était well. Le chef du district de Tramkak Who was the head of en avril 75 ou juste in après April avril 75 or shortly after April 1975? But the chief of the district of Tramkak was Tachem. After that, Tachem was transferred to Kampong Cham. Ensuite, il a été transféré à la province de Kampong Cham dans une plantation DVA. District committee. Il y a eu un nouveau comité du district. Quand Tachim a-t-il pris ses fonctions en tant que chef de district? When did Tachim et quand à peu près est-il parti chief du district de Tramkak? And when did he leave Tramkak district? Tachem nang kot chenh chloh pel pi Tachem left Tramkok between a quitté Tramkok 1976 or 1977 because when there was the replacement I was not informed of that. Lorsqu'il a été remplacé, je n'ai pas été tenu informé. Vous avez dit devant les enquêteurs du juge d'instruction que OCIJ comme KHOM était chef de district. K-H-O-M et plus précisément, dans votre procès-verbal E319.1.33, vous avez dit aux réponses 146 à 154 que la fille de Tamok, c'est-à-dire Com, avait dirigé une réunion à Angroka, dans la pagode, durant laquelle il avait été dit aux moines de se défroquer. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de cette réunion à Angroka? Do you remember talking about that meeting at Angroka, the Wat Angroka? Answer, yes, I recall it.
Oui, je m'en souviens. The meeting took place after Thachum was moved. Cette réunion a eu lieu après le transfert de Thachum. The chief of the district committee. Comme était alors le chef du district. This point. Et j'ai oublié de mentionner cela. Merci. Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire en lisant ces réponses que vous avez données dans ce procès-verbal d'audition E319.1.33 et notamment concernant la date. Réponse 146. J'ai vu qu'il défroquait les moines. Réponse 147. J'ai vu cela dans la pagode de Angroka, district de Tramkak, vers la fin de 1975. Perhaps in late 1975. Réponse 148. Les Khmer Rouges ont fait une réunion durant laquelle ils ont alors défroqué 30 ou 40 moines. Question. Qui est-ce qui a dirigé cette réunion? Réponse 149. C'était un enfant de Tamok, chef de district, qui a dirigé cette réunion. Réponse 150. C'était Com. C'était une femme qui était le premier chef du district de Tramkak. Elle avait occupé ce poste avant même le chef de district Chum. Comme était la femme de Tamut, qui était chef de la division 2. Question. Comment se fait-il que vous soyez au courant de l'abandon de Frok des moines bouddhiques? Réponse 151. Je devais porter des lettres là-bas. Et j'ai vu qu'ils étaient en train de défroquer les moines. Réponse 152. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus besoin des moines. Ils ont préparé un ensemble de vêtements de couleur noire pour les moines défroqués. Enfin, ils n'ont pas fait ce processus selon les rites religieux. Question. Est-ce que la fille de Tamok a annoncé cette politique aux moines dans cette réunion? Réponse 154. Oui, c'était la fille de Tamok qui a fait cette annonce. Fin de citation. Donc, dans cet extrait, vous avez assez clairement dit que Com était le premier chef du district de Tramkak et qu'elle l'avait été avant même Thachum. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire? She was chief before Thachum. Does that refresh your memory? Answer yes, that is correct. Oui, c'est exact. Lorsque vous êtes passé par la pagode de Angroka vers la fin de 1975 et que vous avez vu ce qui se passait dans cette pagode, est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez en déplacement? Est-ce que vous vous rendiez au bureau du district d'Angroka? Ou pouvez-vous nous expliquer à quelle occasion vous avez pu assister à cette réunion? Était-ce parce que vous étiez là par hasard, en passant, ou bien est-ce que vous aviez été convoqué à cette réunion? Passing through that region by chance, or because you were actually invited to attend that meeting? Answer: At that time, I heard people talking about this only. J'ai entendu des gens en parler. Vous avez dit, je devais porter des lettres là-bas et j'ai vu qu'ils étaient en train de défroquer des moines. Donc, est-ce que vous avez vu cette réunion, même de loin, ou bien vous en avez seulement entendu parler? J'étais messager. People were saying about monks being defrocked, et j'ai entendu and I did not explore more about this. And I heard only the fact that they said monks were defrocked. J'ai juste entendu parler de cela. Et donc vous avez entendu que c'était la fille de Tamok, Com, qui avait présidé et organisé cette réunion. Tamok's daughter called Com, who had organized and chaired that meeting. Answer yes. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser, puisque vous étiez messager à l'époque, est-ce que vous étiez déjà messager apportant des messages de Krang Thachan au district de Tramkak
to ou bien étiez-vous encore à ce moment-là affecté au district de Tramkhak during that period, you were already assigned to work at Tramkhak district. Answer. Krang Tachan office was in Kus. Le bureau commune. De Krang Tachan se trouvait dans la commune de Kus. I delivered the letter to the Krang Tachan office. C'est là que j'apportais du courrier. Donc quand vous avez entendu parler de cette réunion où on a demandé aux moines de se défroquer, vous confirmez que vous étiez encore messager du district de Tramkhak et que vous n'étiez pas encore affecté à Krang Tachan, vous ne logiez pas encore sur place. Est-ce que c'est ça que je comprends? You are not yet living in Krang Tachan. Is that correct? I would like to clarify as follows. Je vais essayer de préciser un peu. Actually, I was not a messenger in the district. I was a messenger in Krang Tachan Security Office. J'étais messager pour le bureau de sécurité de Krang Tachan. D'accord. Very well. Donc, quand vous avez porté des lettres et que vous avez entendu parler de cette réunion à la pagode de Vat Angroka, est-ce que c'était au début de votre travail à Krang Tachan? Was that at the beginning of your assignment at Krang Tachan? Answer, yes. Oui. Vous nous avez dit que cette réunion avait eu lieu fin 1975. Est-ce que vous êtes dès lors d'accord pour dire que vous avez travaillé à Krang Tachan dès la fin de 1975? Answer, yes. Oui. Après TACOM, après Yikom et après Tachim, qui a été successivement chef du district de Tramkhak? Tasan et Yai Buen. It was Tasan and Yai Buen. Tasan et Yai Buen. Est-ce que avant Tasan, before Tasan, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui auraient joué ce rôle de chef de district pendant des courtes périodes ou l'ignorez-vous? During short periods of time, or you are not aware of that? Answer, I was not aware of that. Je l'ignorais. Est-ce que vous avez entendu le nom ou porté des messages à des personnes qui s'appelaient Takiv? Deliver messages to K-H-I-V, Takiv, Takit, K-I-T, C-H-A-Y. Tachay, C-H-A-Y. Mo-Takiv. Answer. As for the name, Takio, I did not know this person, but I knew Takio and Tachai. I delivered letters to these two people, Takit and Tachai. Je leur ai apporté du courrier. Très bien. Est-ce qu'il y avait un lien de familial entre Tachim et Takit? Were there any kinship ties between Tachim and Takit? Answer. Actually, Takit and Tachim were blood brothers. Étaient frères de par le sang. Vous avez parlé de Tasan et de Yai Buen. You talked of Tasan. Je vais revenir à Yai Buen, mais d'abord concernant Tasan. Pourriez-vous nous dire quand il est devenu chef de district? Tasan, à peu près. Can you tell us when he became district chief? Answer. I did not know
clearly, I met Thasan in 1977. J'ai rencontré Thasan en 1977. Et à l'époque, vous l'avez rencontré en 1977, est-ce qu'il était déjà chef de district ou occupait-il une autre fonction au sein du district ou dans une commune? Held other positions in the district or in another commune? Answer, when I saw or met him, he was the chief of Tramcock district. Quand je l'ai rencontré, il était chef du district de Tramcock. Est-ce que vous savez si auparavant il avait été chef de commune ou à défaut de quelle commune il venait? And if not, from which commune did he Answer, I did not know. Je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez toujours connu sous le nom de Thasan ou bien est-ce que vous avez appris quel était son nom complet? As Thasan, or did you know his full name? Answer, I knew only the name Thasan. I did not know whether he had any other full name. Je ne connaissais pas son nom complet. Est-ce que vous savez s'il y avait des relations familiales qui unissaient Thasan et Tamok? Any family relations between Thasan and Tamok? Answer, I did not know. Je ne sais pas, non. Au moment où Thasan est devenu chef de district, où avait-il son bureau et où habitait-il? Where was his office and where was he residing? Mostly he was at a Leibo commune. Il vivait surtout dans la commune de Leibo. Et quant à son bureau, est-ce qu'il était maintenu à Angroka? And was his office maintained at Angroka? Actually, his office was in Angroka. Son bureau se trouvait à Angroka. Alors, vous avez dit ceci à propos de Yi Bun dans votre procès-verbal d'audition E319.1.33, et je vais vous citer. And I will quote what you stated. D'abord, la réponse 82. Je connaissais Bun, c'était une femme qui était chef adjointe du district de Tramcock en 1978. Elle était donc l'adjointe de San. Je ne lui ai jamais distribué de lettres. À la réponse 83, vous avez dit, dans le district de Tramcock, tout le monde connaissait Yi Bun. Et vous avez dit à la réponse 86 que Bun et Ta An, le Krang Ta Chan, étaient cousins. Question 87. Était-ce possible que Bun ait vécu ou travaillé dans le district de Tramcock en 1977? Réponse. Answer. Vous avez dit oui, c'est possible. Yes, parce que correct. Yi Bun était alors because chef de la commune de Cheng Tong. Yi Bun was chief of Cheng Tong commune. Question. Quand est-ce que Yi Bun a été chef de la commune de Cheng Tong? Question. Réponse 88, c'était peut-être en 1977 ou 1978. Question 104, plus loin. Est-ce que Bun est resté l'adjointe de Thasan jusqu'à l'effondrement du régime Khmer Rouge en 1979? Et vous avez répondu oui, jusqu'à la chute du régime. Est-ce qu'à l'époque où Thasan était chef de district, vous avez vu personnellement, souvent Thasan et Yi Bun ensemble au bureau du district de Tramcock? At the Tramcock office, the Tramcock district office. But I did not know about this. No. Je
J'ai l'impression d'avoir reçu qu'une petite partie de votre réponse. Est-ce que Ye Kom, à l'époque, en 1975, Tachim, Takit, Tachai, Tachim, Tachai, du district 105, sont venus en visite au centre de Krang Tachan, selon ce que vous avez pu voir pendant que vous y étiez? From what you were able to see while you were there. Actually, this chief of the districts never went to visit the Krang Dachan security office. They believe in what the chief of Krang Dachan office told them. En général, les chefs de district faisaient confiance au chef du bureau de sécurité. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes du district de Kramkak qui, par contre, venaient régulièrement à Krang Tachan pour travailler, pour aider, ou pour inspecter le centre de sécurité? Et je ne parle pas des chefs de district, mais plutôt de cadres du district. I'm not talking of district chiefs, but cadres at the level of the district. Tapi, actually, he was the district. Tapi he was the cadre. Était cadre au niveau du district. Je vais revenir sur lui. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? I'll talk about him later. Comme Ta Duch ou Ta Korn ou Ta Ross, qui venaient également. Who also came. I knew only Taduj. As for Taru and Takon, I did not know these people. Rom et Takok, je ne les connaissais pas. Je vais vous lire ce que vous avez dit lorsque vous avez quitté. I'll read out to you what you said. Que vous avez dit que vous avez fait après avoir quitté le chef-lieu de la province de Takyo. C'est le premier procès-verbal d'audition, D40-23. C'est la toute première réponse, et ça se trouve en français à la page IRN 00-49-09-06, en anglais 00. 2-2-3-2-0-8 et en Khmer 00-1-6-5-3-5-2. Voilà ce que vous avez dit. À partir du 17 avril 1975, j'ai d'abord servi dans l'armée du district avant d'avoir été transféré à la montagne de Damre Romil, située dans le village de Traping Lin, commune de Ko, district de Tramkak. Ensuite, on m'a affecté au village de Traping Por, commune de Ching Thorn, et puis au centre de Krang Tachan. Fin de citation. Et dans votre autre procès-verbal d'audition E319.1.33, à la réponse à la question 27, qui était « Que deviez-vous faire quand vous étiez sur la montagne de Damre Romil ?» Vous avez répondu « Je devais assurer la sécurité, traquer et arrêter des ennemis, mais en fin de compte, je ne suis jamais tombé sur eux. » Fin de citation. End of quote. Sur cette montagne ou sur ces collines de Damre Romil, dans le village de Traping Lin, commune de Ko, Tramkak, en 1975, vous avez dit que votre rôle était de traquer et arrêter des ennemis. Est-ce qu'on vous a dit de quel ennemi il s'agissait à ce moment-là? Do you know what enemy you were talking of at the time? Khmang dai ke bangkol lang. Answer. Anyone escape from a cooperative or from their local areas, they were accused of being enemies. Des ennemis.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à s'échapper des coopératives à l'époque? Well, there are many people trying to leave the cooperatives during that period. At that time, no one was trying to leave their cooperatives. À l'époque, personne n'essayait de s'échapper ainsi. Est-ce qu'on vous avait dit ce que vous deviez faire en cas d'arrestation d'ennemis? Did they tell you what you ought to do in the event of the arrest of enemies? Answer. I was told to capture those people and I was not asked to do anything on these people. Mais on ne m'a pas dit ce que je devais faire de ces personnes. Est-ce qu'à l'époque, on vous a parlé d'un certain Prum San? During that period, did they tell you of a person called Prum San that you had to capture? But answer. Yes. Oui. Et qui était ce Prum San? And who was that person called Prum San? Answer. I currently know that Prum San betrayed the à présent, revolution. Je sais que Prum San avait trahi la révolution and à l'époque. Now he is the chief of the commune, and it was said that Prum San betrayed the revolution and he escaped into the forest. À l'époque, on a dit qu'il avait trahi la révolution et qu'il s'était enfui dans la forêt. Lorsque vous étiez à la montagne de Damré Romil, et puis après que vous avez été muté au village de Trappingpore, est-ce que les gardes de Kreng Tachan, ceux qui seront dans votre groupe à Kreng Tachan, et qui s'appellent Seng et Sim, se trouvaient déjà avec vous à ce moment-là? Already with you during that period. Bah. Yes, they were in my group. Oui, oui, ils faisaient partie de mon groupe. Qu'avez-vous fait au village de Trappingpore, commune de Chingtorn, lorsque vous avez été affecté sur place? Est-ce que vous êtes resté là longtemps et que deviez-vous faire? Did you stay there for long and what did you do there? Answer. I was told that I was to station in Trappingpore Village, je voudrais vous lire un extrait de procès-verbal d'audition de Sim from the record of your interview, un ancien garde à Kreng Tachan. A former guard at Kreng Tachan. Est-ce que ce Sim était originaire du même village que vous? Called Sim, le village de Srei dans la commune de Leibo. As yourself, Srei village in Leibo commune. Bah. Answer, yes. Oui. Alors sa déclaration, c'est le procès-verbal d'audition D40/20. The record of en Khmer, c'est la page 00-16-53-29. En anglais, 00-43-35-69. Et en français, 00-52-43-17. Voilà ce que ce Sim a dit. And this is what that person called. Je cite. Après la chute de Phnom Penh en 1975, j'ai travaillé comme militaire à Takeo. Ensuite, j'ai été muté à Damré Romil. Et puis lui dit que c'est en 1976, durant la saison de moissonnage, qu'il a été muté de nouveau pour aller au centre de Kreng Tachan.
Et il dit ceci, le jour où je suis arrivé, donc à Krang Tachan, j'ai été ordonné de partir au village de Trapping Por pour trois jours et pour trois nuits, afin d'arrêter un capitaine de l'armée de Lon Nol qui allait établir un contact là-bas. À ce moment-là, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Fin de citation. Est-ce que cela correspond à ce que vous vous souvenez de ce que vous deviez faire au village de Trapping Por? Do you recall having to do that at Trapping Por village? But no, Jan. Answer, yes, I recall that. Oui, oui, je m'en souviens. Sim dit qu'en fait, Sim says that in fact, il a dû quitter Krang Tachan. He was obliged to leave Krang Tachan to go to Trapping Por village. Pour procéder à cette arrestation qui n'a finalement pas in eu lieu. In order to carry out this arrest that did not happen. Est-ce qu'il arrivait souvent ou de temps en temps que des gardes de sécurité de Krang Tachan soient envoyés from time to time that Krang Tachan guards would be sent outside of the security center pour procéder à des arrestations in order to arrest people ou à des transferts de prisonniers or to transfer prisoners. No, I was not aware of that. I was rather young at the time and I was not assigned to do that job. À l'époque, on ne m'a jamais confié ce genre de mission. Mais vous êtes tout de même allé au village de Trapping Por. But you did go to the village of Trapping Por. Qui vous avait dit d'aller au village de Trapping Por? Who told you to go to that village? Shmota. It was Ta'an. C'était Ta'an. Sim, dans le même procès-verbal d'audition, in the same written record of interviews, c'est à la même page, says, and on the same page, il dit qu'après être revenu de Trapping Por, après mon retour, and I quote, after j'ai été chargé de surveiller return, les prisonniers. I was in charge of par la suite, on m'a ordonné d'aller à la maison de la vieille Kim afin de recevoir les gens qu'on a amenés. End of quote. Et finalement, il s'est trompé. Il n'a pas, je crois, trouvé la maison de la vieille Kim. Could est-ce not que vous-même, vous étiez avec lui Ye quand Kim's vous cherchiez la maison so de la vieille with him Kim, when you went to look for Ye Kim's house, K-H-I-M? No, I did not. No. Vous avez dit plus tôt que and vous aviez été affecté au centre de rééducation de sécurité de Krang Tachan en 1975. Security center of Krang Tachan in 1975. Que saviez-vous du centre de Krang Tachan what did you know about Krang Tachan avant qu'on vous dise d'y aller? Before que vous aviez you were déjà told entendu to go there. À quoi servait ce centre? Had you ever heard what the purpose of the center was? Before I was sent there, that is to the security office, I knew it was known as a security office. Je savais que c'était un centre de sécurité. Et saviez-vous à quoi servait un centre de sécurité you know sous le régime des Khmer Rouges? What a security center est-ce que vous saviez was, meant for under the Khmer Rouge regime? Did you know that prisoners were being detained there, that some were being interrogated, and that some would be executed? Initially, I was not aware of that. Au début, je n'en savais and rien. Only about a fortnight after I was there, then my movement was very restricted. Les mouvements étaient assez limités. Vous avez dit que vous aviez été affecté and you là-bas. Said that you had been vous avez mentionné there, un nom. And you mentioned the name. Le chef d'une unité de 50 membres the du district of a 50 member Pin, unit, district qui vous a unit dit que vous by the name of à Krang Tachan. Pin, c'est dans who votre verbal d'audition D40-23. This is in your record D40/23. It's answer 4. Est-ce que ce chef d'unité de 50 membres dénommé Pin, Pin head of a district est-ce qu'il vous a dit 50, qui avait pris la décision de vous affecter tell you à Krang Tachan? Decided to assign you to Krang Tachan? At that time, I did not know who.
À cette époque, je ne savais pas qui. Je voudrais vous lire un autre extrait de votre procès-verbal d'audition D40/23 that is D40/23 à la page en Khmer, at Khmer 00 16 16 5353 5353 jusque 54 to 54 en français 00 00 49 49 09 09 08 08 en anglais 00 02 02 3 2 3 2 0 1 0 non plutôt 1 0 1 0. Je cite dans ce centre de Krang Tachan donc combien étaient ceux qui travaillaient comme vous. How many people worked there like you? Votre réponse, nous étions 6 et nous étions garde. There were 6 in the guard unit. Question, comment s'appelaient-elles ces 6 personnes? What were the names of those 6? Question. Dutch Sim Sang Touch, Ouk, UOK, et that is moi-même. UOK and myself. Donc on a déjà parlé so de we vous, already spoke de about Sim you and about Sim Sang. And about Sang. Et vous avez dit que and ils avaient eu le même parcours that que vous. So they had same background as you. Au district. That they had gone to the district de and then to the Damrei Romil mountain, the Trapimpo village. Est-ce que il en était de même was pour it the same Dutch, for Dutch, Touch, and et Ouk. And Ouk. Est-ce que eux-mêmes ont connu le même parcours que vous they et sont-ils arrivés en même temps que vous à Krang Tachan? The same history as you and did they arrive at Krang Tachan at the same time as you? Bah. Yes. Oui. En tant que garde de sécurité, no. Quelles ont été les premières tâches qu'on and vous as a security guard, what were the first tasks that were given to you at the Krang Tachan Security Center? My main task was to guard the office day and night, and also during the daytime, I had to be a messenger. Je devais aussi effectuer des tâches en tant que messager. Lorsque vous avez été affecté à Krang Tachan, est-ce qu'il y avait déjà sur place un jeune site, prisonnier qui was s'appelait Sen, a young prisoner by the name of Sen, qui travaillait au centre, who qui was gardait working at les the vaches, center, qui cultivait, and who was tending the cows, sucre, and who was fosses, harvesting, or who was est-ce que cela vous dit quelque chose? Does that le ring a bell Sen to you? Does Sen remind you of anything? Yes, I knew him when I went there. He oui, was je there. L'ai connu lorsque je suis allé là-bas et il était déjà sur place. Je vais citer ce que vous avez dit. I'm going to quote what you said. Vous avez mentionné son nom en fait dans le procès-verbal d'audition D40/23. You mentioned his name at in the written record à la page en Khmer 00/23 in Khmer 00/16/53/57. En français 00/49/09/12/12. En anglais 00/22/32/32/12. Question. Parmi les prisonniers amenés à ce centre, y avait-il question, ceux qui ont été libérés? Among the prisoners who were votre brought to réponse, the center were some released. Il n'y avait your que answer, les prisonnières avec leurs enfants qui only ont été libérés. The female prisoners with their children were released. Nor. In particular, the family of Ye Nor. N-H-O-R. N-H-O-R. Quant aux prisonniers, la majorité and d'entre eux sont morts de maladie ou d'exécution. Because they were ill or because très peu de they prisonniers were executed. Ont pu s'en sortir. Very few prisoners survived. À savoir, Sen. Let us say Sen, who was one of them, d'Angkor Lay, who lives next to Angkor Lay Pagoda. Fin de citation. End of quote. Là, vous avez mentionné and la here, famille de Ye Nor. You spoke about Ye Nor's family. Aux réponses 90 à 92 de votre procès-verbal d'audition E319.1.3. Donc réponse 90-92. So those are answers 90-92. Vous avez parlé de certains membres de la famille de Ye Nor. Certain members of Ye Nor's family. Ye Nya, qui ont été prisonniers mais qui ont survécu à Krang Tachan. Vous avez aussi dit dans votre procès-verbal d'audition que je viens
your written record of interview, which I just quoted from, que des prisonniers étaient morts de coups prisoners died because they had been beaten during the interrogation. Vous avez cité le mari and de you also spoke about Yinor's husband, ainsi que l'époux de as la well Rat, as qui était the spouse, une fille of, a de spouse of a son named Rat, who was one of Yinor's daughters. Dire, lorsque vous can êtes you arrivé tell us, when you arrived at Krang Tachan, est-ce que les membres de cette famille were the members of this family, the family of Yinor, were they already on site? Ils sont arrivés après que vous soyez vous-même affecté là-bas. After you had been assigned to Krang Tachan. But Krosa look in your nong, yom no tinu hai. As for Yenyo family, they were there on site by the time I arrived. La famille de Yenyo était déjà là quand je suis arrivé. Pourtant, however, monsieur le témoin, dans votre procès verbal d'audition E319.1.33, vous avez dit ceci à la réponse 90, à la suite d'une question, following a question qui était la suivante, which was the following, est-ce que vous étiez au courant de l'arrestation des habitants about du village de Sraikruo village? Vous avez répondu. You answered. En 1977, initially in 1977, les Khmer Rouges ont arrêté deux familles dans le village de Sraikruo, in Sraikruo village, including wives and children. En 1979, but ils later ont in 1979, they released the wives and their children back into the village. I was the one who led the wives and children back to the village. Est-ce que vous vous souvenez question, du nom de ces gens? Do you remember their names? Réponse, 91. Answer, 91, therefore, dans la première famille, il y avait the members of the first family were Kun, Nyor, the husband of Yinor, et leurs enfants, and their children, K-H-A, that is K-H-A, Rat, et un enfant dont j'ai oublié and le another nom. One whom I cannot recall. Kun a été emprisonné Kun à was detained at Krang Tachan prison. The members Rat, of the second family were Rat, the daughter of Kun and Yinor, son mari, un certain who was Beun, married to Beun, a detainee at Krang Tachan prison. Et là, vous situez here, leur arrestation en 1977. Vous avez dit que vous étiez là, à Krang Tachan depuis 1975. Told us that you had been in Krang Tachan since 1975. Cela rafraîchit votre mémoire sur les dates. So, do these dates refresh your memory? À la lumière de ce que vous avez and dit, est-ce que said, vous les avez vus arriver sur place ou vous did you see qu'ils these people déjà là? On arrive or can you say that they were already there? They hit the. In fact, I was there before they were arrested. En fait, j'étais là avant qu'ils ne soient arrêtés. Très bien, merci, Monsieur le Président. Mr. President, maybe it's merci. Time to take a break. Thank you. President, thank you. It is now convenient to have a break, and we will take a break now and resume at 3 o'clock. And court officer, please assist the witness and the duty counsel during the break and have them return to the courtroom at 3 o'clock before the hearing resumes. The court is now in recess. Suspension.